Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo opening des coffres. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai dépensé 370 000, je crois, Rose des Sables, j'ai acheté 1370 coffres de loterie. Et du coup, je les ai ouverts et j'ai eu tous ces petits coffres. Donc on va voir ce que ça va donner, on va ouvrir tout ça. Donc j'ai 0 kama, il faut savoir que les coffres, ça donne des kama bruts, ça donne des Roses des Sables, ça donne des parchemins dorés, des parchemins d'ivoire et des boîtes et des fragments. Bref, je vais vous montrer tout ça. J'ai 0 Kama pour voir combien à la fin ça nous rapporte en termes de Kama brut. Des Roses des Sables, j'ai tout posé également. Voilà, bon bref. On va déjà ouvrir les petits. Donc vous pouvez voir, voilà, 3 Roses des Sables, 240 Kama. Donc bon, c'est des petits. Là, c'est les petits. Hein. Je vais rapidement me dépêcher parce que c'est des petits, donc ça nous intéresse pas trop. Par contre, là, regardez-moi ça. On peut voir que, voilà, on peut avoir des Kama et des Roses des Sables. Par contre, j'ai déjà eu un x100 ici, déjà, sur des roses des sables, parce que ça rapporte de 4 à 2 à 4 roses, je crois. Et là, j'ai déjà eu 278 roses et 276, donc deux coffres x100 déjà. Bon, malheureusement, c'est tombé sur des petits coffres. Il faudrait que ça tombe sur des gros coffres. On peut avoir jusqu'à 15, voire 20 000 roses pour les gros coffres. Ce serait vraiment bien. Là, pour le coup, on a eu des petits, donc c'est pas très cool. J'espère qu'on sera un peu plus chanceux sur les autres. On va ouvrir tout ça. Bon, bah là, je me dépêche, hein, parce que bon, ça rapporte pas beaucoup de kama, pas beaucoup de roses. Il n'y a pas vraiment de grand chose d'intéressant dessus. Ah, attendez. Des coffres de loterie, c'est bien. Une boîte de fragments insignifiants, c'est pas mal du tout aussi, du coup. Faudra regarder ce que c'est, les boîtes de fragments. Je crois que ça donne des... Bah, du coup, des fragments. Et on peut les échanger contre des kama, donc en mode marchand. C'est pas mal du tout, on verra ça. Un coffre rouillé, on peut également avoir des roses. Des coffres, ouais, c'est ce que je vous disais. On est déjà à 32 000 kama en cash, hein, mine de rien, les gars. Alors du coup, les premiers coffres, c'est déjà tout ouvert. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les coffres. Attendez, j'ai encore des coffres de loterie, du coup, je vais les ouvrir aussi. Hop, voilà, j'ai pas eu de petits coffres. J'ai des coffres maintenant de niveau 40. Donc attendez, je vais trier par niveau, parce que là, du coup, un peu chiant. Voilà, les coffres rouillés maintenant, on en a 142. Donc là, on voit, on a un peu plus de roses. Alors, c'est pas incroyable, on a du 10 roses à chaque fois, 5-10 roses. Par contre, on a un peu plus de kama, là, hein, 570 kama à chaque fois. Donc ça va commencer à monter un peu plus vite. On peut avoir des coffres insignifiants aussi, on peut avoir un x100, x10 et x100 hein, sur les coffres, donc ça peut nous permettre de monter, bah, mine de rien, à peu près 100 roses, et pour les x100, à du coup 1000 roses quasiment. Donc bon, c'est pas sur cela que j'aimerais bien avoir un x100. Malheureusement, mon karma il est déjà explosé dans le sens où j'ai déjà eu double x100 sur les premiers, donc c'est pas cool, mais bon, on verra si on peut en avoir encore. Je suppose que vu la quantité de coffres, on en aura encore. Une boîte de fragments rouillés, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas les trucs qui rapportent le plus, mais c'est déjà toujours ça. Ok, super. Bon, 2000 euros, 126 000 kama en cash. On a récupéré du coup 13 coffres insignifiants qu'on va s'empresser d'ouvrir. Parce que de toute façon, c'est pas les plus intéressants, donc à la limite, on s'en fout un petit peu, voilà. On va ouvrir maintenant les coffres de niveau 60. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas les plus intéressants, mais on peut voir 1000 kama cash, plus du 20 rose, du 20 rose quasiment. Donc x100, ça peut amener à du 2000 rose. En vrai, c'est plutôt correct, on va dire. Et du 1000 kama cash, donc bon, c'est pas mal. Pour le moment, on n'a pas de x100 ni de x10. Hein. On n'est pas très chanceux pour le moment au niveau des coffres. Enfin, au départ, on était chanceux, mais là, pour le coup, c'est moyen, quoi. Ouais, non, 700 kama, 9 roses, bon. Et on est déjà, les gars, à 180 000 kama cash, hein, mine de rien. Ça monte quand même relativement vite, je trouve. Bon, on n'a pas encore ouvert les plus gros, en plus de ça. Hein. Ah, 147 roses des sables, les gars, ici. Donc ça, c'est un x10, c'est ce que je vous disais. C'est correct, en vrai, c'est correct. J'espère qu'on aura des x10 quand même sur les gros quand même. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, je fais défiler les gars plus rapidement. C'est pas les plus intéressants, donc bon, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. On va passer les gars au coffre surprenant. Donc là, c'est pareil, hein, un peu plus intéressant aussi. 1500 kama quasiment. Avec du 25-30 roses à chaque fois. Donc là, voilà, de toute façon, à chaque fois, hein, ça va commencer à augmenter. Une boîte de fragments surprenante, c'est pas mal. Ça va commencer à augmenter légèrement. Hein. De toute façon, plus on va se rapprocher sur les gros coffres, plus il va y avoir des grosses récompenses, etc. Donc c'est là où ça va être un peu plus intéressant quand même. Pour le moment, rien d'alarmant. Hein. Je crois que j'ai pas eu de x100 roses pour le moment. Enfin, en tout cas, ça défile un peu, mais je vois pas de 300-400 roses, 3000 roses. Là, si on a un x100, on peut commencer à taper du 3000 roses, donc franchement, ça pourrait commencer à être intéressant. Après, pour le moment, comme je vous l'ai dit, le karma est pas ouf. Hein. Ah, un 134 roses, les gars, ici. Ouh là 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 là, un 112 roses.
un 112 rose ici et un 134 là, donc on a déjà eu double fois 10. C'est quand même pas bien bon ça, j'espère qu'on aura un peu plus de chance sur les autres par contre. Parce que là, double fois 10, ça détruit notre karma, on va pas se mentir. Donc là, voilà, pareil, on est sur du 1600 kama, on est sur du 54 rose là par coffre. Ah, un 250 rose, pareil, un x 10 là qui tombe. C'est pas trop mal, bon, j'aurais préféré quand même un 500 rose ou un 5000 rose, hein. C'était pas trop ouf là, du coup, on a eu un des pires jets de la planète. On va voir. Attendez, là j'ai glow up en rose, non? J'ai augmenté. Ouh là là, pas mal ça. 643 roses ici, c'est pas mal du tout. Attendez, je vais augmenter un petit peu. 643 roses. Il n'y en a pas eu un autre là qui était pas mal. Bon, ça défile un petit peu trop vite là. Boîte de fragments, c'est parfait. Rose des sables, ouais, bon, bah, de toute façon, après, hein, c'est des petits coffres. De toute façon, on va ouvrir les coffres de loterie. Allez, ça part, voilà, on va ouvrir tout ça rapidement. C'est pas ce qui nous intéresse de toute façon. Voilà, 1400 kama, une boîte de fragments, c'est pas mal aussi. 720 000 kama cash, hein, déjà, ça augmente, c'est plutôt cool. On continue avec les coffres lourds, donc là, ça va rapporter un peu plus de kama aussi. Voilà, quasiment 2000 kama. On est sur du 70 à 80 roses par coffre pour les plus gros. Donc on commence à avoir, mine de rien, des beaux petits coffres de x100. Ça pourrait faire jusqu'à 8 voire 9000 roses. Donc là, ça peut commencer à aller vraiment chercher les coffres impressionnants, enfin les coffres qui sont quand même assez intéressants. Bon, j'espère qu'on aura un peu plus de chance ici. Bon, pour le moment, c'est pas incroyable. On devrait monter largement à 1 million, voire même 2 millions de kamakash, je pense. Une boîte de fragments lourdes, ça c'est pas mal aussi. Deux boîtes de fragments, c'est très très bien. Au niveau des roses, pour le moment, on n'a pas trop de chance. Hein. On n'a pas de x10, pas de x100, il faudra vraiment aller les chercher pour les plus gros. On a un 800 roses ici, je viens de voir, 813 roses des sables. Donc c'est un x10 qui est proposé, c'est pas trop mal en vrai, ça fait 80 roses. Dans le coffre, on aurait pu avoir un 30 roses, donc 300 roses, donc en vrai, je vais pas me plaindre. J'aurais préféré avoir un x1000, mais bon, c'est... Non, c'est correct. 736 roses, 800 roses, les gars, double x10, là. On a eu pas mal de chance là-dessus, hein. Ouais, les gars, on a eu vraiment beaucoup de chance, on a eu un triple x10. Alors, je me fais déconnecter à chaque fois, je me fais avoir à chaque fois sur les... Parce qu'en fait, quand tu spams les coffres et que t'en as trop, ça te fait bugger et ça te déconnecte. On a eu un x10, là, encore une fois, c'est vraiment excellent. On a vraiment de la chance sur les x10, sur les x100 c'est pas incroyable, mais sur les x10 on a vraiment beaucoup de chance. On a déjà eu triple x10 là sur les autres coffres, donc j'espère qu'on aura des x10, voire même x100 ici. Ce serait vraiment pas mal, donc là on commence à être sur des gros coffres à 100, plus de 100 roses par coffre, donc c'est quand même intéressant. On a du 2000 kama par coffre également, donc on est largement... On a dépassé le million de kama cash déjà, donc c'est plutôt appréciable, hein, franchement. 32 000 roses, donc je sais pas pour combien ça vaut, mais ça doit pas être incroyable, hein. On va regarder ça après. On regarde aussi si on a des x10, x100 roses. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait grand chose. Ok les gars, 1 330 000 kama cash. On n'a pas eu de x100 ni de x10 ici, c'est pas incroyable. Et 1 300 000 ici, donc on a récupéré pour 2 600 000 pour le moment. Bon, on a encore quelques coffres ici, on a pas mal de boîtes de fragments et tout normalement, donc on va regarder. Voilà, ça c'est parfait. On a également ça, on a des coffres de loterie. On va ouvrir tout ça. Allez, on se dépêche. Et là, on commence vraiment, les gars, à être sur les 3 plus gros coffres. Donc là, ça commence à être intéressant. Déjà, un petit x10 qui tombe sur les coffres impressionnants, je crois. Non, les coffres imposants. 674 roses. Alors, c'est pas le plus intéressant qu'on a eu. Mais on a déjà un x10, donc qui fait plaisir. Là, on a du 2000, 2000, voire même 3000 kama par coffre. Donc là, ça va vraiment commencer à augmenter rapidement, les kama, là. Au niveau des roses, c'est pareil. Ça va commencer à augmenter. On est sur des coffres qui donnent quand même pas mal de roses, quoi. Boîte de fragments imposants, c'est excellent. Allez, un petit x100 là, un 10 000 roses, ça serait vraiment appréciable pour le coup. Des coffres impressionnants, ça c'est pas mal aussi, ça nous permet de récupérer pas mal de roses en vrai. Allez, 1300 roses les gars, c'est pas mal du tout, encore un x10 du coup. Un x10 qui permet de gagner un petit peu de roses, mais bon, c'est pas incroyable, j'aurais préféré un 12 000 roses là pour le coup. Malheureusement, on n'a pas eu de x100, c'était un x10 qui était proposé, on a eu pas mal de x10, on n'a pas eu beaucoup de x100, hein. Les seuls x100 qu'on a eu, c'était les deux premiers, mais bon, c'est pas incroyable là. On a quand même pas mal de roses là, 58 000 roses, 1 700 000 cash les gars, donc on aura finalement beaucoup plus que prévu je pense. On a 17 coffres impressionnants, donc on va les ouvrir, ça va nous faire aussi quelques petites roses, quelques petits kamas, c'est vraiment pas mal du tout. Alors les gars, j'ai eu un léger problème, j'ai tourné cette vidéo en deux parties, et en fait là, bah, j'ai tourné juste avant
la partie où j'ai ouvert les coffres les plus intéressants. Donc il me restait les niveaux 180, les niveaux 200. Et j'ai complètement oublié de rec. Enfin en fait, je pensais que je filmais quoi. Et je filmais pas en fait. Donc j'ai fait tout ça dans le vent. J'ai ouvert les derniers coffres. Alors un peu dégoûté parce qu'en vrai on a eu des beaux trucs. On a eu pas mal de roses en vrai les gars. Je vais vous montrer. 135 000 roses. On a eu des fois 100. On a eu des fois 10. On a eu un fois 100 avec 11 000 roses. Un fois 100 avec 8 000 roses. On a eu pas mal de fois 10 avec des 2000, 2500, 5000 roses. Bref, pas mal de petits trucs. On a ouvert également du coup tous les fragments et on a eu pas mal de fragments, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà, en termes de Kama Cash, on a 2 700 000 Kama. C'est pas mal du tout avec les roses des sables qui sont estimées à 3 300 000. Ça nous fait grosso modo 6 millions de Kama rien que pour ça. 6 millions, je vous rappelle qu'on a dépensé 14 ou 15 millions, il me semble, pour tout. Enfin, du moins, la valeur des roses qu'on a échangées avec les coffres de loterie était de 14 ou 15 millions, donc voilà. Et là, en gros, c'est estimé les cartes, quoi, à 150 000 Kama la carte, donc on va dire qu'on est sur du 10 000 Kama unité, les fragments de cartes, entre 10 et 15 000, excepté les morceaux de tablette Totankama, qui sont à 50 000 Kama, j'en ai 5, donc 250 000 Kama, et les copies de cartes de Kanya, là, qui sont ici, donc ça c'est assez cher, hein, le prix moyen est vraiment pas mauvais, bon, c'est pas aussi cher que le prix moyen, mais on va tabler sur 250 000 Kama, donc unité, j'en ai 5 également. Donc 1 250 000 Kama plus les 250 000 Kama de fragments de cartes, de morceaux de tablettes de Totankama, ça fait 1 500 000 plus le reste à 10 000 Kama unités, ça nous fait 2 millions de Kama grosso modo. 2 millions de Kama plus les 6 millions avec les Kama Cash et les Roses des Sables, ça nous fait 8 millions de Kama. On a récupéré 8 millions sur une valeur de rose qui était estimée à peu près, comme je vous l'ai dit, entre 13 et 16 millions, je crois, je me souviens plus exactement. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup, alors c'est divisé par deux quoi. On peut voir que si on achète par exemple des coffres de loterie, on peut voir que la valeur a été divisée par deux, donc si tu investis 20 millions, tu peux récupérer à peu près 10-11 millions de Kama maximum, donc c'est pas intéressant d'acheter des coffres. Il vaut mieux faire les roses des sables, enfin du moins les chasses au trésor, pour récolter tes coffres toi-même et du coup avoir toutes tes roses gratuitement. C'est pas l'astuce Kama de l'année en 2022, encore une fois, c'était vraiment une vidéo test, et aussi parce que je savais pas quoi faire de mes roses, j'avais la flemme de les vendre. Donc bon, on a perdu un petit peu de Kama, mais ça vous permet de vous montrer que finalement les chasses au trésor en 2022, ça reste encore rentable. Si, bien entendu, vous faites les chasses au trésor vous-même, hein. Il ne faut pas du tout acheter les coffres, c'est vraiment pas une bonne idée, vous allez vous planter et perdre énormément de Kama. Bref, si cette vidéo t'a plu, du coup, tu peux la liker, la commenter, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!